en pratique. Nous avons peut-être, sans doute, entendu l'une ou l'autre prédication sur le Notre Père. Alors pourquoi pas une explication du « Je crois en Dieu ». Avec ses modifications et ses ajouts, ce texte peut aider à comprendre comment la doctrine chrétienne s'est construite. Je vais vous lire le texte. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous laisse la deuxième, je peux remettre la première peut-être. Le credo ou le je crois en Dieu est une confession de foi de l'Église ancienne. On l'a récité pendant des siècles et on le proclame encore aujourd'hui, le dimanche, dans les églises catholiques et les églises issues de la Réforme, dont font partie aussi les églises évangéliques, dont l'Église mennonite. On l'appelle le symbole des apôtres. Alors, est-ce qu'il aurait été rédigé d'un commun accord par les apôtres de Jésus-Christ, par exemple, lors du concile de Jérusalem? Eh bien non, c'est une légende pieuse. Alors, on l'appelle le symbole des apôtres, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce n'est pas les apôtres qui l'ont écrit. Qu'est-ce que « Je crois en Dieu » C'est une confession de foi, elle est écrite en latin à la première personne du singulier. C'est donc une confession de foi personnelle, individuelle. Elle contient les vérités nécessaires pour que chaque nouveau converti puisse faire une déclaration publique de sa foi chrétienne le jour de son baptême. Donc une confession de foi à dire, en toute connaissance de cause, le jour du baptême. Comment a-t-il été écrit? Il y a deux auteurs. Rufin d'Aquileia, Aquilée, au nord de l'Italie, près de Venise. Il a d'abord écrit le « Je crois en Dieu » à la fin du IVe siècle. Aquileia, ça peut vous dire quelque chose. Il y a quelques années, on a parlé de cette ville parce qu'il y a eu de grosses inondations assez importantes. Aquileia, ça vous rappelle peut-être. Moi, ça m'a rappelé quelque chose. Alors, un deuxième auteur, c'est Pirmin de Reichenau, près de Constance, près du lac de Constance. Il l'a complété au VIIIe siècle. Enfin, le « Je crois en Dieu » a été rendu officiel au IXe siècle par l'empereur Charlemagne. C'était donc la confession de foi de toute l'Église située à l'ouest du baptême méditerranéen, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., dont la France. Donc, à l'époque, la langue de communication, c'était le latin, dans cette partie du bassin de la Méditerranée, comme l'est l'anglais aujourd'hui. Dans la partie orientale, c'est-à-dire Grèce, Albanie, etc., etc., c'était le grec. Alors, dans les premiers temps de l'Église, après la Pentecôte, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé complètement, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Simplement, les lettres de Paul et quelques écrits partiels. Et surtout, alors là c'est important, très tôt couraient déjà, malheureusement, diverses hérésies. C'est grâce à une réflexion qui s'oppose au courant hérétique que les principales, que les importantes, ou que les vérités, tout simplement, les vérités doctrinales chrétiennes se sont construites. Donc je répète parce que c'est important, c'est grâce à une réflexion qui construit, une réflexion en opposition au courant hérétique, que les vérités doctrinales chrétiennes se sont construites. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est une confession de foi individuelle. Comme dans tous les textes latins et grecs, le premier mot, en latin c'est credo, le premier mot donne le titre et le thème du texte qui suit.
Quand on dit credo, je crois, c'est une confession de foi. Les autres confessions de foi sont collectives, c'est-à-dire elles disent nous. C'est le symbole de Nicée-Constantinople en grec et le symbole d'Athanase en latin. Donc, nous croyons, première personne du pluriel. Le symbole des apôtres, c'est une confession de foi personnelle, individuelle, donc je, première personne du singulier. C'est un engagement personnel, on le prend au moment du baptême. Alors le baptême avait lieu à l'époque 2-3 ans en moyenne après la conversion. Dans la pratique, après la conversion, le temps de recevoir un enseignement sur les grandes vérités bibliques et de montrer le sérieux de sa foi dans la pratique. Et dans les premiers temps de l'Église, il y avait des persécutions, cette confession de foi n'était pas récitée mécaniquement, mais avec réflexion. La réflexion dans la foi de toute la personne qui s'engageait dans la vie chrétienne. Mais pour combien de temps avant la mort en martyr? Des années, quelques mois, parfois quelques jours seulement. Les autres religions de l'époque, y compris la religion juive, étaient liées à la nationalité ou à l'appartenance ethnique, c'est-à-dire raciale. Si on naissait en Israël, on était juif. Donc, on pratiquait obligatoirement la religion juive. De même, le grec vivait dans un pays où le polythéisme, c'est-à-dire la croyance en plusieurs dieux, était communément reconnu et pratiqué. Ces religions étaient acceptées globalement, mais on ne demandait aucune adhésion, aucune foi personnelle. Je crois en Dieu. C'est une affirmation du monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu. Et c'est une révolution culturelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'athéisme ? Eh bien, c'est rejeter l'existence de Dieu et, pour être précis, du Dieu de la Bible. Dans l'antiquité gréco-latine, c'était l'antiquité de l'époque, l'athéisme s'était refusé de rendre un culte aux divinités païennes nationales. C'est-à-dire, si un grec disait Zeus, Hermès, machin, etc., je n'y crois plus, eh bien, c'était un athée. Et c'est pour cela qu'on traitait les chrétiens d'athées, parce qu'ils ne voulaient plus reconnaître, ils refusaient de reconnaître et de prier les dieux, toute la salade des dieux grecs et latins. Donc la notion d'un dieu personnel qui a créé l'univers et qui continue à en prendre soin, c'est pour l'époque une révolution culturelle. Le psaume 104 dit « Combien ses œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse, la terre est pleine de tout ce que tu as créé. » Dieu le Père Tout-Puissant. Alors, la paternité divine dans le contexte juif et chrétien. Dieu est d'abord défini à la fois comme Père et comme Tout-Puissant. Père, c'est source de vie. Cela implique pour nous une relation personnelle. Si nous appelons Dieu notre Père, nous sommes ses enfants. Et Jean 3, 1 dit « Nous sommes appelés enfants de Dieu ». C'était aussi une question qui séparait les chrétiens des juifs. Les juifs reprochaient à Jésus d'appeler Dieu son Père, Jean 5, 18. La toute-puissance, on dit aussi l'omnipotence, c'est un mot plus savant, donc la toute-puissance divine, c'était la preuve évidente de la supériorité absolue du Dieu de la Bible sur toutes les autres divinités, je dirais les divinités inventées. Lui, le Dieu de la Bible, existait vraiment. Il existait vraiment, il agissait de fait, il agissait en réalité. Sophie l'a bien montré par quelques clins d'œil, par des actions éclatantes, mais aussi par des petits clins d'œil. Eux, les dieux païens, existaient, oui bien sûr, seulement dans la croyance ou l'imagination de ses adeptes. Élie en donne une preuve cinglante au prophète de Baal. Le récit de 1 roi 18, 20 à 40 est bien connu. Il s'agit, ils se font des plaies à la figure, ils s'arrachent les cheveux, Dieu ne bouge pas, alors que Élie, le feu arrive directo sur l'autel. Alors, dans le contexte païen, la paternité divine
c'est le polythéisme ou le conflit de pouvoir entre divinités rivales. Dans le milieu païen, eh bien, on attribuait aux divinités grecques et romaines des ancêtres et des descendants. Il y avait des pères et des enfants, mais la manière dont ça se passait, les pères et les enfants, c'était pas du tout reluisant. Adultère, enlèvement et viol. Un petit peu une image de ce qui se passait sur la terre, mais en plus méchant et en pire parce que plus puissant. Mais en même temps, si la prétendue puissance spirituelle se dilue, se mélange entre un grand nombre de dieux, la toute-puissance devient impossible. Chacun a un petit goût, mais ça ne suffit plus. Cela entraîne évidemment le polythéisme avec un conflit inévitable entre clans de nombreux dieux rivaux. La guerre entre les dieux, c'était pas mal. Donc, pour ne déplaire à aucun, on se croit obligé d'intégrer tous les dieux imaginables. Souvenez-vous du dieu inconnu dont Paul parle dans Acte 17. Vous avez un dieu inconnu, mais c'est plutôt à celui-là qu'il faudrait réfléchir. La foi chrétienne est la confiance en Dieu Tout-Puissant. La foi chrétienne est le chrétien qui met sa foi en pratique, ça va ensemble, préfère placer sa confiance en Dieu Tout-Puissant, en Dieu supérieur à toutes les autres forces spirituelles. Qu'elles soient obéissantes ou qu'elles soient rebelles, toutes les forces spirituelles lui sont de toute façon soumises. Philippiens 2, versets 10 à 11, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu soit tout-puissant, c'est particulièrement important dans un contexte de persécution. Dieu est parfaitement suffisant, parfaitement capable de protéger celui qu'il adore et qui lui fait confiance. Le « Je crois en Dieu », ce n'est pas un texte à réciter, c'est une confession de foi à vivre. Le nouveau baptisé prenait position devant tout le monde en disant, devant les autres chrétiens réunis en Église, « Je crois en Dieu » et cela avait du sens. Ce n'était pas un texte à réciter par cœur, comme une formule magique, c'est une véritable confession de foi. Elle engage pour toute la vie chrétienne, et à l'époque, elle risquait souvent d'être très courte. Le nouveau baptisé montre qu'il a compris les grands points de la vérité biblique. Il a aussi été averti contre le paganisme et les dérives hérétiques. Ainsi, le jour de Pâques, devant l'Église réunie, il déclare que Dieu, le créateur de l'univers, est son Père et aussi son protecteur. Dieu créateur du ciel et de la terre. Créateur ex nihilo, un mot latin qui signifie « à partir de rien ». Mais alors comment ? Mais par sa parole, tout simplement. Cette qualification de créateur n'est pas nouvelle. Personne dans l'Église de l'époque ne contestait que Dieu Tout-Puissant avait créé le ciel et la terre. Mais le « Je crois en Dieu » apporte quelques précisions intéressantes. Dieu a créé sans matière préexistante. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il les a créés par sa parole, à partir de rien, ex nihilo. Il n'a pas arrangé une matière qui aurait déjà existé, comme par exemple le potier qui façonne des vases, mais il lui faut quand même de l'argile, ou le peintre qui peint, mais il lui faut quand même une toile, un pinceau et de la peinture. S'il y avait une matière qui existait avant, une matière préexistante, il faudrait nécessairement une puissance créatrice, c'est-à-dire une divinité antérieure qui aurait existé avant pour le créer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le dualisme. Un premier dieu qui a créé la matière, puis un deuxième dieu qui l'arrange. Ciel et terre, il a créé le ciel et la terre. Ciel et terre sont des réalités physiques. Il a créé le ciel, tel qu'on le voit, et puis la terre, c'est-à-dire la matière, et puis les espaces. Donc, des réalités physiques, mais aussi des symboles spirituels. Le ciel représente, du point de vue spirituel, la demeure de Dieu, et la terre représente le monde en rébellion contre Dieu. Mais, attention au risque d'insister sur l'opposition entre le monde spirituel qui serait bon et le monde matériel qui serait mauvais. Il y a plus important que cela encore. Les planètes et les astres ne sont pas autre chose que des créatures, comme tout ce qui est dans l'univers. Les prier ou les adorer, comme on le faisait à l'époque, est une absurdité d'aujourd'hui,
les connaître pour connaître, les consulter, consulter les astres et les planètes pour connaître son avenir, comme certains le font aujourd'hui, c'est une autre absurdité dont le diable se sert pour égarer les gens. Créateur du ciel et de la terre, c'est le complémentaire entre spirituel et matériel. Réunir dans une même expression créateur du ciel et de la terre explique la complémentarité, c'est-à-dire le fait d'être complémentaire entre le spirituel et le matériel, le visible et l'invisible. L'un et l'autre sont créés par le même Dieu unique. Parce qu'à l'époque, on disait que le ciel, tout ce qui est spirituel, avait été créé par le Dieu, le vrai, et puis un deuxième Dieu faux avait créé le matériel. Donc, c'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire le spirituel et le matériel. Donc, le spirituel n'est pas forcément bon, le matériel n'est pas forcément mauvais. Le conflit entre le bien et le mal a lieu d'abord du côté spirituel, dans les sphères spirituelles, avant d'avoir des conséquences dans le monde matériel. Donc souvent les choses méchantes, ça commence dans le monde spirituel et après ça arrive dans le monde matériel. La perfection divine peut se manifester dans la matière. Donc l'incarnation du Fils de Dieu est concevable. Parce qu'on pensait que l'incarnation n'était pas possible, parce que comment un Dieu pouvait s'incarner dans un monde matériel mauvais ? Non, c'est pas du tout ça. L'incarnation du Fils de Dieu est concevable. L'incarnation est une confirmation éclatante de la perfection divine. Donc, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est une confession de foi sur Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est d'essence, de caractère, identique à Dieu, dans la Trinité. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, a le statut particulier d'héritier de tout. Il est le seul chemin possible pour conduire à Dieu. Le titre Seigneur qu'on donne à Jésus-Christ, Kurios, traduit le terme qu'on prononce Adonai, mais qui s'écrit en français YH majuscule VH. Eh bien, le nom propre de Dieu, cela indique que Jésus est de la même nature que Dieu le Père, dans la Trinité. Et la foi en Jésus-Christ Sauveur, on ne peut pas la séparer de l'obéissance à Jésus-Christ Seigneur. Cela exclut deux hérésies des premiers siècles, l'adoptionnisme et l'arianisme. Selon l'adoptionnisme, Jésus aurait été un homme adopté par Dieu comme fils lors de son baptême ou de sa résurrection. Il aurait ainsi acquis un statut céleste. L'arianisme, un peu plus connu aujourd'hui sous le nom Témoin de Jéhovah, refuse à Jésus-Christ une divinité égale à celle du Père, sous prétexte que le fait qu'il ait été engendré par Dieu le place dans une position deuxième. Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Le texte actuel distingue nettement entre la conception par le Saint-Esprit et la naissance par Marie. C'est là la première étape de la coexistence harmonieuse entre le divin et l'humain dans la personne de Jésus. La divinité du Fils découle des trois personnes de la Trinité, de l'ensemble de la Trinité, et son humanité lui vient de Marie. Jésus tire de Marie sa nature humaine. Cette nature humaine est unie à la nature divine du Christ en une seule personne qui est à la fois totalement divine et totalement humaine. Une question quand même. La nature humaine est entachée par le péché originel depuis la chute. Certains ont dit que le péché originel, c'est comme une tache congénitale sur l'âme. Elle est héritée dès la conception et transmise aux générations successives. Alors comment Jésus pouvait-il naître dans une telle nature humaine entachée par le péché? Eh bien, à l'origine, avant le péché originel, l'être humain créé par Dieu était bon naturellement. S'il n'avait pas saisi la tentation, s'il n'avait pas fait commis le péché originel, s'il n'avait pas péché, il serait resté naturellement fils de Dieu. C'est à cause du péché originel qu'il a perdu cette bonne nature humaine. Alors le péché originel, ce n'est pas une part congénitale, mais c'est la rupture par l'homme et la femme de la relation établie par Dieu à la création. Alors Jésus, lui, n'a jamais péché,
savez pourquoi? Bien, parce que l'héritage du péché passe par le Père. Et Jésus n'a pas eu de Père humain. Ensuite, une proclamation sur la Passion, la mort en croix, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. La crucifixion est ancrée dans l'histoire. Avec l'appareil. Donc Jésus a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est enseveli. Alors Ponce Pilate, c'est le seul païen qui est cité dans une confession de foi chrétienne. Alors des fouilles archéologiques en 1961 ont permis de découvrir une pierre avec quatre lignes partiellement effacées. On les a retrouvées à Césarée Maritime. Donc je l'ai photographiée pendant notre voyage en Israël en mars 2019. Alors la pierre porte les inscriptions Tiberium, c'est l'empereur du moment, et Ponce Pilate, préfet de Judée. On peut encore lire Tius et Pilate. Attendez, je vais vous montrer. Alors là, il y a T-I-U-S en majuscule et P-I-L-A-T-U-S. Alors il y a Tiberium encore en haut. On voit presque en entier. Alors Tius Pilatus qu'on voit encore. Donc, cette pierre donne la preuve archéologique de l'existence de Pilate. Donc, les événements de la crucifixion sont inscrits dans un contexte historique extérieur à l'Église et cela les confirme. Jésus a souffert, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Jésus-Christ est réel, il est évident qu'il est mort parce que la mort, c'est la consistance. C'est la conséquence inévitable d'une crucifixion. Mais ce n'était pas admis par tous. Pour le docétisme du grec dokeo, semble vous paraître, Jésus-Christ est un être céleste qui est venu sous l'aspect d'un homme. Dès le premier temps de l'Église, ce mouvement, le docétisme, niait que Jésus soit venu sur terre comme un homme véritable. C'était un être céleste qui avait pris l'apparence d'un homme. Donc, son incarnation et la crucifixion n'étaient qu'une apparence. C'était déjà un petit peu à la mode à l'époque parce que Jean, l'évangéliste, hein, Jean, disciple du Christ, déclare « Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est véritablement devenu un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, c'est-à-dire venu en chair, ne vient pas de Dieu. » Donc, il combattait déjà le docétisme. Par ses souffrances et sa mort, Jésus s'identifie avec l'humanité. Par sa souffrance, Jésus a obéi à la volonté de Dieu le Père qui voulait une expiation véritable pour le péché de l'humanité. Dans sa mort, Jésus a accompli une identification totale avec l'humanité. Jésus n'a pas seulement payé la dette du péché, comme le bon samaritain avait payé la dette des soins donnée à l'homme qu'il avait secouru. Jésus est devenu péché en se substituant à l'homme pécheur. C'est toute sa personne, sainte, livrée à la mort, qui efface la dette du péché. Jésus est descendu aux enfers. C'est la proclamation de la victoire du Christ sur Satan. Alors là, c'est un verset difficile à expliquer. C'est 1 Pierre 3, versets 19 à 20. Je vous le lis. Par cet esprit, Jésus avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'était montré rebelle, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau.
C'est ceux qui n'avaient pas voulu montrer dans le bateau qu'ils s'étaient moqués de Noé pendant qu'ils construisaient l'arche. Alors, littéralement, cette prédication en enfer concernerait seulement les gens qui étaient morts jusqu'à l'époque de Noé, mais pas ceux d'après. Et ça pourrait être compris comme une injustice. Alors, le verset a été utilisé pour rassurer les chrétiens dans des civilisations du Proche-Orient. En effet, dans ces civilisations du Proche-Orient, le culte des ancêtres avait beaucoup d'influence. On ne pouvait pas envisager qu'un parent décédé puisse être perdu sans avoir eu l'occasion d'entendre de son vivant la prédication de l'Évangile. Alors, certains ont vu dans cette déclaration une deuxième chance offerte aux morts, aux défunts, dans le séjour des morts. Jésus aurait parlé, aurait prêché après leur mort à des gens qui n'ont pas eu, pendant leur vie, l'occasion d'entendre l'Évangile. Il pourrait donc y avoir une deuxième chance de salut après la mort, comme le prétendent certaines sectes. Mais, rien ne garantit que ce message en enfer soit un message annonçant le salut. En fait, c'est une proclamation de la victoire du Christ face à Satan. Une proclamation de la victoire du Christ face à Satan. Et d'ailleurs, les personnes concernées, rien ne dit qu'elles acceptaient le salut, si c'était un message de salut. Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire on l'appelle aussi région inférieure, pour signifier sa défaite à Satan. Il est définitivement vaincu sur son propre territoire. Le Fils de Dieu, Jésus, s'identifie avec l'humanité. Il a choisi d'assumer jusqu'au bout la destinée humaine, jusqu'au passage par l'enfer et jusqu'à la délivrance de l'enfer. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège, il est assis à la droite du Père. C'est une véritable résurrection après une mort réelle. Alors, à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, l'expression insiste sur la toute-puissance de Dieu. Cette toute-puissance de Dieu est liée à la paternité divine dans la création du monde et l'engendrement du Fils. Elle est aussi liée, elle se manifeste ici à nouveau pour la résurrection. Et parce que le Fils ressuscité est assis au ciel à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Une mort réelle, pas une mort apparente. La résurrection, c'est un véritable retour à la vie, après une mort réelle de 3 jours. 3 jours, ça ferme la bouche à ceux qui prétendent que la mort de Jésus ne serait qu'un évanouissement prolongé d'une mort apparente. Il est monté à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. L'ascension inaugure le ministère céleste d'intercession et de jugement de Christ. À la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, ce sont les paroles de Jésus au grand prêtre pendant la comparution devant le grand conseil juif. Il dit « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. » Cette élévation du Christ au ciel à l'ascension, c'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel 7, 13 et 14, qui reprend les mêmes termes. Hein. Un être qui venait à la droite de la puissance de Dieu. Jésus-Christ à la droite de Dieu, son ministère d'intercession et son règne sur l'univers jusqu'au jugement dernier. L'œuvre du Christ, payant pour les péchés de l'humanité, ne s'achève pas à la croix. Elle prend sa signification complète au moment de l'ascension. À l'ascension, le Fils a apporté au Père, à son Père, le sacrifice qui autorise le pécheur repentant et pardonné à entrer dans la présence de Dieu. Le Fils siège à la droite du Père pour exercer son ministère céleste d'intercession dont les chrétiens bénéficient aujourd'hui. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il règnera sur l'univers entier jusqu'au jugement dernier où il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. 1 Corinthiens 15. D'où il viendra, il viendra, pour juger les vivants et les morts. Tout jugement est remis au Fils. C'est le Christ qui revient pour juger. Le Père ne juge personne.
Il remit tout jugement au Fils, Jean 5, 22. Le jugement concerne tous les humains, les vivants aussi bien que les morts. À la dernière trompette, les morts ressusciteront, incorruptibles, et les vivants, nous, nos descendants, seront changés, en Corinthiens 15. Et puis tous seront jugés, ils seront sauvés dans la présence de Dieu ou perdus, loin de lui. L'affirmation des doctrines sur l'Esprit Saint et la Trinité. Je crois en l'Esprit Saint. Le futur baptisé répétait « Je crois ». Il insiste donc sur l'affirmation de sa foi dans les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. La Trinité est illustrée par l'icône dite de la Trinité d'André Rublev. Il s'agit des trois hommes qui étaient apparus à Abraham au chêne de Mamré dans Genèse 19. Rublev, à la suite des Pères de l'Église, l'interprète comme une figure du mystère de la Trinité indivisible. La doctrine de l'Esprit-Saint, elle est affirmée dès les débuts de l'Église, mais elle sera développée seulement au IVe siècle. Grégoire de Nice a inscrit NY2SE, c'est une ville, je ne sais pas exactement ce que. Ah oui, je dis, Nice NY2SE, je pense que c'est une ville de Turquie, il me semble. Donc, Grégoire de Nice disait « Il a fallu d'abord résoudre la question du Fils avant d'aborder celle de l'Esprit. Il fallait d'abord expliquer qui est le Fils sans ensuite expliquer qui est l'Esprit, car l'Esprit est ambassadeur du Père et du Fils. » Alors, vient maintenant une doctrine qu'on applique, mais il faut la connaître un peu, c'est la doctrine du filio quae et du Fils. Alors, filio, c'est Fils, et quae qui est attaché à filio, c'est le mot « et », « est quelque chose ». Et elle dit, le Saint-Esprit procède, c'est-à-dire vient, du Père et du Fils. Donc l'affirmation de Grégoire, l'Esprit ambassadeur du Père et du Fils, annonce la doctrine du filioque. Elle sera ajoutée au VIe siècle à la version occidentale du symbole de Nice et Constantinople, qui est commun aux grandes confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et protestantes. Cette doctrine dit, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration. Il a parlé par les prophètes. Donc cette doctrine dit que l'Esprit vient à la fois du Père et du Fils. Elle est acceptée par l'Église catholique et protestante, mais elle est rejetée par l'Église orthodoxe. En effet, l'Église orthodoxe dit que l'Esprit vient du Père seul, mais pas du Père et du Fils. Et ce refus, c'est une cause du grand schisme de 1054, il y a longtemps, où l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine se sont séparées. Il y a différentes aussi choses politiques, mais il y a cette doctrine-là. Donc, l'Esprit vient du Père et du Fils, et les orthodoxes disent l'Esprit vient seulement du Père. Croire à l'Esprit Saint signifie aussi croire en son œuvre. Alors, pour le catholicisme, l'Esprit Saint agit aussi, objectivement, à travers le magistère de l'Église. Alors, le magistère de l'Église, c'est les décisions des papes et des conciles. Alors, donc, l'Esprit agit objectivement, même si la personne concernée ne participe pas consciemment et ne donne pas son accord. Par exemple, le baptême donné à un tout petit bébé fait de lui un chrétien. Il ne comprend pas et il ne dit pas oui, mais il est quand même chrétien. En revanche, pour le protestantisme, l'œuvre de l'Esprit ne consiste pas surtout dans des actes extérieurs, mais dans la transformation du cœur. Entre protestants de diverses tendances, l'œuvre de l'Esprit se manifeste soit par des œuvres de puissance, des dons spirituels extraordinaires, pour d'autres, par exemple, par une conduite et une fidélité digne de la parole de Dieu, même sans éclat particulier. Maintenant, l'un et l'autre peuvent se combiner. La communion des saints, la sainte église universelle. Alors là, je vous dis l'original en latin, sanctam ecclesiam catholicam. Alors c'est le mot catholique, mais ça ne veut pas dire catholique romain, ça veut dire universel. Le mot grec, catholicam, traduit tel quel, ça veut dire universel. C'est un mot grec courant, habituel.
Alors, la catholicité, comme le définit Vincent de Léry au 5e siècle, c'est la foi universelle de l'Église, pratiquée partout, par tout le monde, dans tous les temps. Partout, par tout le monde, dans tous les temps. Elle se manifeste dans l'espace, dans le temps, dans l'histoire. Elle se manifeste dans l'espace. Les chrétiens convertis de tous les pays sont unis spirituellement par la foi en un même Seigneur. Ils sont rassemblés, ou pas, en communauté locale, y compris les chrétiens isolés dans les pays de persécution. Et tous les chrétiens participent à la communion des saints vivants de l'Église universelle, visible et invisible. Elle se manifeste, la communion des saints dans l'Église universelle, elle se manifeste dans l'histoire. La doctrine de la foi repose sur Jésus-Christ, pierre angulaire. Jésus-Christ fonde la foi et l'unit les croyants. La vie de l'Église se construit sur la base de l'enseignement des apôtres et prophètes, des anciens de Levain, apôtres et prophètes. Cela exclut donc l'ajout de dogmes ou systèmes particuliers aux sectes. Cela devrait aussi empêcher le détournement de vérités qui pourraient gêner la raison ou la sensibilité de l'homme moderne. Par exemple, en ce moment, on entend parfois que l'enfer, la séparation éternelle avec Dieu, serait remplacée par l'anéantissement de l'âme condamnée. Donc, elle se manifeste dans l'histoire, dans le temps. La rédaction de la Bible s'est achevée dans les premiers siècles de notre ère. Elle reste toujours pertinente, toujours importante aujourd'hui. Dans ses principes et dans ses vérités, illustrées par des exemples, elle répond aux interrogations universelles de l'homme sur son origine et sa destinée. Qui je suis, d'où je viens, quelle sera ma destinée? La rémission des péchés est au centre de la vie chrétienne. Toute nouvelle naissance, début de la vie chrétienne, doit passer par cette étape. Je reconnais que je suis pécheur, y compris dans ma pensée et dans mon intention. Les paroles de colère qui tuent et que je mérite, que l'on mérite la mort que Jésus a subie à notre place. Jésus n'a pas seulement acquitté la dette juridique du péché pour satisfaire la justice de Dieu, il a aussi réconcilié avec Dieu ceux, nous, ceux qui se savent pécheurs et qui lui demandent pardon et réconciliation. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Celui qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau et déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Par conséquent, la parole du pardon doit être proclamée dans l'Église. Il faut en informer en particulier les gens qui croient avoir commis le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit, et aussi les gens dont la mort de parents a privé de la possibilité de régler certains conflits. Mes parents sont morts, je n'ai pas pu régler certaines choses avec eux. Voilà. La résurrection de la chair est la vie éternelle. La résurrection de la chair, c'est la résurrection des corps dans le royaume céleste. Le symbole des apôtres se termine par une confession de foi dans la vie éternelle. La résurrection de la chair, c'est la résurrection des corps faits de matière dans le royaume céleste. Ce n'est pas le corps tel quel, qu'il est aujourd'hui, corruptible. Il n'est pas capable d'hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 4, 50, c'est le corps mystérieusement transformé, rendu capable d'entrer et de séjourner dans la vie éternelle. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. En conclusion, le « Je crois en Dieu » est un texte très riche de sens. Chaque phrase a sa signification. Maintenant que nous avons entendu une explication, veillons, et moi aussi,
Veillons à faire entrer chaque membre de phrase dans nos convictions et dans notre pratique quotidienne. Comprenons aussi que ce texte est un testament que nous lève toute la chaîne de nos ancêtres spirituels à travers une foule de situations pratiques infiniment variées. Amen.